les gens, c'est Bandan Rock'n'Roll, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo, on va dire qu'elle va être faite à l'arrache. Donc on se retrouve sur la chaîne de la règle les potes. Il y a un tout nouveau camouflage qui vient d'être sorti sur justement sur Call of Duty Black Ops 3. Donc on va vite le mettre. Donc si j'arrive, tac. Voilà, c'est multi camo ZMG event, enfin bref, je crois qu'ils se sont un peu fait sur le nom, peut-être qu'ils l'ont mis un petit peu trop vite, le camouflage en ligne, enfin bref, on va essayer de le tester, voir comment est-ce qu'il rend, je vais essayer sur la manoir personnellement, donc on va voir à quoi il ressemble sur le jeu tout simplement. Donc là il est sorti à 19h, on est 19h15, je vais essayer de vraiment sortir la vidéo le plus vite possible, donc si jamais le montage n'est pas fait comme d'habitude, bien c'est normal les potes, le temps d'apporter tout ça le fichier, ça va être assez galère. En espérant d'être dans les premiers à le faire. En tout cas, le camouflage était un camouflage tiré tout droit du mode de jeu zombie. D'après la description du camouflage. Donc ils disent, je vais juste voir, vite fait revoir le nom. MP-camo-ZMHD-event0. Donc je crois que Jason Blunden sur Twitter nous avait dit comme quoi il allait faire trois petites surprises par rapport au mode zombie. Donc on ne savait pas du tout ce qui allait arriver tout simplement. En tout cas, ils ont rajouté justement ce nouveau camouflage qui ressemble un peu au camouflage Into the Void. On avait eu un camouflage DLC qui s'appelle Into the Voice, qui était aussi stylé. Donc là ça bug un petit peu, mais c'est pas trop grave. Donc le temps de faire d'autres trucs. Bon les gars, c'est ma première game de la journée, je vous préviens déjà. C'est juste vraiment pour vous présenter le camouflage. S'il pouvait éviter de bugger là, c'est assez géant. Enfin bref, c'est vite fait pour présenter le camouflage les gars. Après je ne sais pas du tout comment il est disponible. Je crois qu'il faut avoir le DLC 5 Chronicles. En tout cas si jamais les amis je me trompe, pour toutes les personnes qui ont aussi eu la possibilité de l'avoir comme moi, bah dites le moi, je crois qu'il faut avoir le DLC 5 Chronicles. Que j'ai vu vite fait sur Twitter des personnes qui ne pouvaient pas l'avoir. Enfin bref les potes, on va essayer de débuter comme un petit hater, mais c'est ma petite première game de la journée là. Donc je vous ai dit, il était disponible le jeudi 8 juin. Oula. D'accord, lui je lui mets un gros turn de sa mère, enfin bref. Donc on est le 8 juin 19h15 en ce moment, donc voilà, le jeudi 8 juin. Voilà, le camouflage vient d'être chargé. Oh putain, il est magnifique. Attends, on va essayer de voir vite fait en rechargement. Donc ça fait un petit peu un petit dark meter vert. Je le trouve un petit peu moins stylé que Into the Voice, personnellement. Mais il reste quand même vachement stylé. Hein. Il est où? Il est en bas le bâtard. Ok, en tout le cas. Toi, tu m'attendais. Je t'ai bouffé. Donc là, je suis à 300 duator. On va essayer de faire une petite game. Les potes, en tout cas, le camouflage rend vraiment super bien. Sur la manœuvre, tout ça, il m'a flashé. Ils vont tous arriver par là. Donc les gars, je vous promets, je suis pas un joueur performance. Hein. Je suis commentateur de base. Je peux me démerder vite fait. Ok, il a eu l'allié. On va essayer de gagner vite fait la game pour le triple pot de vin là. J'ai vu qu'il avait ajouté, j'ai que 14 victoires. Du coup ça pourrait vite faire ajouter une petite victoire en plus, ça serait sympa. Voilà, on a un petit sans pitié. Voilà, le cas le hater bien sûr, oui. Pas, jamais... hey, si je fais la nucléaire, je vais peut-être faire le world first, non? Attends, on va se concentrer un petit peu. D'accord, vas-y les gars, on va essayer de faire un truc. Les mecs en face ils sont archi mauvais. Fais un petit série et imagine je tape le World First nucléaire là-dedans là. D'accord, il m'a donné tout, il m'a anéanti tous mes espaces ce bâtard. Enfin bref les gars. En tout cas le camouflage rend super bien sur la manoir. Il faut tester les amis sur d'autres armes telles que le SVG100, je pense que ça peut bien donner. Comme d'autres armes du style. En tout cas on est à la manoir, je sais pas du tout qui fera la miniature, j'espère en tout cas qui vous fera bien bonder avec la miniature lipote. Enfin bref. On va vite fait finir la MME. Donc si je parle pas beaucoup, c'est normal. Ils sont vraiment pas bons les mecs en face, on a pu mettre un petit hater là. Histoire de pas faire trop un petit gameplay de merde là. Il est pas là? Oula. Oui mais sûr qu'il est là. Oh là là, mais les gars ils sont mauvais. Oula. Oh là là, mais j'ai pas de shoot les games, mais en tout cas j'arrive quand même à le mettre de gros trucs là. Hein. C'est abusé. Mais elle est pas trop dégueulasse. Première game de la journée, petite MME sur Evac. Écoute, on est bien. On a des alliés qui jouent HXD les gars hein. C'est chaud ça. Merci pour l'hater frangin. Attends, mais si je prends ça, je lui dis que son colis stratégique. Pas clairement les gars. Vas-y vas-y, ramène ta gueule toi. Vas-y 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 vas-y. Attends moi ta grande gueule hein. Bah ouais. Salut. Toi petit headshot. Voilà. Oh mon gars, on est vachement bien dans ce game. Je pense que si j'arrive à assurer le prochain hater, il y a encore moyen. Ah ouais, mais ils quittent tous en face, dommage. Je pense qu'ils sont comme moi en train de tester le camouflage là. Non, franchement, les gars, il est vachement stylé. Hein. En tout cas, il est gratuit. Je pense que c'est un rapport avec le DLC 5 Chronicles, les gars. Donc, désolé, c'est vraiment pour vous présenter le camouflage. Je sais pas comment. C'est pas une vidéo comment expliquer, comment l'avoir. Je crois.
Ouais, normalement c'est un camouflage qui est disponible sur le DLC 5, non le DLC 4 de ce Call of Duty Black Ops 3 sur la map Révélation. Donc vous savez qu'il y a Into the Voice qui est donc un camouflage de la map Révélation quand tu améliores avec le Sacré Punch. A mon avis c'est la version verte parce qu'il faut savoir qu'il y a une version bleue, verte et je sais plus, je crois qu'il y a encore violet si j'ai pas trop de conneries, qui est disponible sur le pistolet laser. Enfin bref, à mon avis ils vont rajouter toutes... Enfin toutes les variantes de camouflage. Il faut savoir qu'ils ont rajouté toutes les variantes pardon de camouflage Sacré Punch avec la map Derazendra Rue de Call of Duty Black Ops 3. Donc peut-être qu'ils vont faire la même chose mais petit à petit avec la map Révélation qui était donc une map culte de ce zombie de Black Ops 3 de Jason Blundell. En tout cas ça fait super plaisir d'ailleurs. Ok, merci pour le don de frangin. Salut, crève toi, merci. Ok, un mec qui va arriver là. Dégage. Voilà, casse toi D'accord, tu me laisses pas. Voilà. Voilà, en plus, les gars, on a la kill cam. Même si on a pas eu un shoot, donc on finit sur un 12 de ratio. 36 à 3, ça va. Première game de la journée. À mon avis, les gars, je vais vite faire le montage. Joue sur la vidéo. Comme ça, petite vidéo du jeudi soir, les gars. On va essayer d'être dans les premiers à faire la vidéo. Je sais pas s'il y aura des mecs qui vont faire des lives avant moi. Enfin, bref, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, les gars. On va viser les 400 likes sur cette vidéo. Ça ferait super plaisir, les potes. Voilà, on va essayer de reprendre un peu d'activité sur la chaîne de l'Aria Clan en vidéo par jour. Enfin bref les amis, c'était pour le rock'n'roll aux chaînes, bien sûr. C'était pour le rock'n'roll aux commandes de l'Aria Clan. Moi je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye.